Bonjour, bienvenue YouTube, c'est Petit Chinois TNC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sommaire de laquelle nous n'allons pas parler de pénis, comme vous avez l'habitude d'entendre, mais nous allons parler de build, et plus précisément d'un moulin qui tourne. Raoul, ça coule. Boum, choum, cloum, bim. Aujourd'hui, YouTube, on va. Ah oui, ouais, j'ai commencé un peu le moulin parce qu'en fait, mon record a bugué. Donc, du coup, j'avais commencé. Et ouais. Et ouais, du coup, bah voilà, je recommence. Bon, vous avez rien raté, hein. C'est des cercles que j'ai fait avec un espacement au milieu. Je sais plus c'est combien. En fait, en gros, j'ai fait le shape. Bon, tu me diras peut-être que c'est un avantage que ça ait bugué. Donc, on est sur un let's build qui n'est pas du château. Du coup, mince. Du coup, je vais prendre les matériaux qui ne sont pas du château, mais les matériaux de la des maisons. Des maisons de Taraliel que nous allons adapter et incorporer à... avec un peu de voilà des avec une saveur de Kassav. Pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne et si ça le fait bien tout simplement. Parce que pour le coup, j'ai envie de voir parce que déjà c'est pas une maison qu'on est en train de faire. Parce que je vous vois venir en train de dire mes P2. Mais P2, mais qu'en est-il? Mais quid? Quid? Les juristes connaîtront. Quid du fait que tu as fait un pattern pour des maisons différents de celui du château? Eh bien, j'ai envie de te répondre. J'ai envie de te répondre que j'ai fait ça parce que. Parce que voilà. Non, non. J'ai fait ça pour la simple et bonne raison que ça me permet tout simplement d'avoir. Parce que là, c'est pas une maison qu'on est en train de faire, tu vois. Et étant donné que c'est pas une maison. Eh ben, on peut se permettre de faire des choses différentes. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça qui est magique. T'as entendu? C'est ça qui est magique. Et du coup, ouais, ça va bien le faire. Alors, on va garder un petit décalage. Donc, le poteau sur la diagonale qui sera plus grand d'un cran que le poteau au milieu. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être cool. Ça peut être cool comme le petit live sur Periscope que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, ce matin. En gros, je me suis réveillé à 10h. Et je me suis dit, tiens, je voulais tester un live sur Periscope. Et j'ai fait, eh ben, on va faire un live sur Periscope. Allez, c'est parti. J'ai fait mon live sur Periscope. J'ai fait de la musique, hein, pour ceux que ça intéresse. J'ai fait un petit mix. À la base, je voulais juste tester Periscope. Juste voir ce que ça donne, voir les retours des gens, ce genre de choses. Et au final, j'ai fait un mix de 3 heures. Voilà. Voilà. J'ai mangé à 14 heures. J'ai. Voilà, tu vois. Ça a complètement pété ma journée. Mais sinon, non, c'est bien. Non, c'est bien kiffé. J'ai bien kiffé. Je pense que la qualité était dégueulasse au niveau audio. Il y a mieux forcément en termes d'audio, mais je pense que ça le fait bien. Je pense que ça l'a bien fait qu'on a envoyé un bon gros pâté. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche. Periscope, ça, visiblement, du peu que j'ai vu, il y aurait eu approximativement 3000 personnes différentes qui seraient passées sur le stream. Ok. Je veux dire, ok. Je veux dire, d'accord. Je savais pas qu'il y avait autant de monde sur Periscope. Mais moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'ai rencontré des gens. J'ai pu me proposer des choses. Malheureusement, des gens qui sont en France, du coup, leurs propositions ne tiennent pas bien. Enfin, sont un peu compliquées à mettre en œuvre. Mais sinon, ça, c'était bien, 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 bien cool. Franchement, je referais. Et je referais bien des lives sur Minecraft si je pouvais. Mais pour l'instant, je peux pas. Malheureusement. Je ne peux pas, pour la simple et bonne raison que ma collection, et surtout mon ordi là en plus en l'occurrence, ne me le permettent pas. Ils ont dit, ils ont fait P2, tu veux faire des lives? Non, voilà, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait non, non. Et d'ailleurs, en parlant d'ordi, vous savez quoi? Vous savez pas quoi? La dernière nouvelle, c'est sorti, c'est tout frais, ça vient de sortir du four. Tu vois, mon ordi, je t'ai expliqué la situation vis-à-vis de mon ordinateur qui était en panne et tout, qui ne fonctionnait plus, parce qu'il fallait que je fasse réparer, qu'en gros, les réparations, j'en ai pour 1000 euros. Tu vois, donc autant en acheter un autre. Hein. Donc, moi, je me suis dit, pour 1000 euros, j'ai un PC de gamer quasiment. Enfin, un PC de gamer. Moi, je suis bien intéressé d'ailleurs par les PC, vous savez, les petits Asus, là, les sortes de mini-PC avec une putain de carte graphique dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi, j'ai besoin d'un petit conseil. Je suis pas forcément le. Je, non, je suis même pas du tout. Quoi prendre en termes de PC? Du coup, il faut que je trouve un PC puissant et qui envoie. Enfin, bref, c'est pas ça la question. Vous savez quoi? Pas quoi? Mon beau-père, il a déposé, ils m'ont dit. Déjà, mes parents, ils m'ont fait. Bon.
Les deux, on va réparer. Et on va réparer ton ordi. Ah ouais, vous avez réparé l'ordi. Celui que ça fait 6 mois qu'on a dit on vous avait pas réparé et qu'on va le faire réparer maintenant. Ouais, et pourquoi vous avez pas fait ça il y a 6 mois quand je vous ai dit qu'on vous avait pas réparé? Ben, parce que fuck you. Ah d'accord. Ah, ok. Non mais c'est cool. Non mais parce que à ce moment-là, vous m'auriez dit avant qu'on vous ait réparé dans 6 mois, j'aurais dit bon, autant le faire réparer maintenant. Ouais, mais non. D'accord, ok. Non mais c'est vous qui payez, de toute façon, donc je m'en bats les couilles. Mais c'est chiant, quoi. C'est juste chiant. Bref, du coup, on l'a envoyé faire réparer. Tu sais pas ce qu'ils nous ont dit, les mecs? Les mecs de chez Apple? Apple! Tu sais pas ce qu'ils nous ont dit? L'Apple Store, ils font. Ah ben, moi quand je le dépose, tu vois, il y a 100 000 balles de réparation, donc 1 000 euros de réparation. Quand mon beau-père le dépose, ah ben en fait l'ordinateur est juste dégueulasse. Comment ça, il est juste dégueulasse? Bah, il est juste plein de poussière, c'est pour ça qu'il marche plus. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, donc en fait, pour l'un, l'ordinateur est juste dégueulasse, il faut quasiment rien payer, ou payer 2 fois moins. Alors que pour l'autre, c'est plein pot. D'accord. Et sinon, ma main dans ta gueule, tu la veux quand? Maintenant ou à emporter? Non, parce que tu me le dis, hein, tu me le dis, je te l'envoie tout de suite. Je te l'envoie recommandé. Colis express. Tout frais, payé par la maison. Ça va, ça vient. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, t'es comme ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Réponds, connard. Et là, tu sais pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça et c'est des choses qui arrivent. C'est des choses où le monde n'est là que pour t'enculer. Si t'as mal aux fesses parce que t'arrives pas à t'asseoir, c'est parce que le monde t'a enculé. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de réfléchir. Il faut arrêter. Parce que si tu essaies de tout comprendre, tu vas te casser le crâne. Je te le dis. Je te le dis, tu vas te casser le crâne. C'est comme la philo. La philo, si tu essaies de tout comprendre, tu vas te casser le crâne. Il faut le vivre, la philo. Il faut le sentir, la philo. Je sais pas, une friandise. Il faut la sentir, tu vois. Si tu la sens pas bien, la philo, tu la sens pas bien. C'est mort. Ben voilà. La vie, c'est pareil. Il faut juste la sentir. Des fois, tu vas la sentir tellement fort que ça va te faire mal aux fesses. Mais c'est normal. C'est juste qu'elle te rend enculé. Voilà! Voilà, c'est tout. Donc ouais, le moulin, je reviens un peu sur la construction, le moulin, toujours le petit dégradé, hein. Donc dur, violet, violet clair, et au-dessus, je sais pas ce qu'on mettra, on mettra du violet clair, je pense encore. Et puis on va faire, je pense, comment on appelle ça, une hélice, je sais pas comment on appelle ça. On va faire une hélice qui sera assez large, qui partira de là, le toit sera en pointe, je pense. Ouais, le toit sera en pointe, donc comme un cône. Et ça va bien le faire. Il reste plus qu'à mettre des petits détails. Donc du coup pour les détails, ouais, je fais des petites coupures comme ça. Ça me permet de tout simplement parce que je suis malade, d'avoir mes pauses régulières pour mon certificat d'inaptitude. Non, en vrai, attends, 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 attends. Deuxième pause. Ok, cette fois-ci, je suis bon. En fait, tu vois, j'ai pas mon petit sèche sous les yeux comme d'habitude. D'habitude, tu sais, j'ai ma petite, comment on appelle ça? J'ai mes autres constructions à côté, ce qui me permet de venir checker de temps en temps quand j'ai un doute. Là, je les ai pas. Du coup, ne les ayant pas, eh ben, c'est que je dois improviser tout simplement. Et du coup, c'est plutôt problématique. Donc, c'est bien le matériau, c'est le même matériau que j'ai utilisé pour les autres maisons. Sauf que je vais l'utiliser là pour bah faire mes petits détails. Je pense qu'on va faire une sorte de petite porte comme ça. Comme ça! Voilà! Ça va envoyer, ça va être sympathique. Enfin, une petite porte. Un petit peu de. Comment on appelle ça? Un petit peu de. Un toit! Voilà, un toit. Un toit qui va bien le faire. Donc en vrai, il faudrait même que je le descende d'un cran, comme ça. Et puis ça va bien le faire. Donc ouais, cette ville, parce que ce sera une ville, hein, bien sûr, au final, cette ville, elle va être quand même assez grande. Au début, j'avais prévu de faire un. Au début, j'avais des petites idées, tu vois. Mais à petites idées, petits rêves, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai décidé d'agrandir ça. Et d'avoir des idées plus grandes. Des idées plus grandes. Ouais, il y a un petit délai dans la vidéo, c'est normal. Et du coup. Du coup, voilà, des petites idées plus grandes, on les prend et on les utilise. Ouais, je mets un détail assez simple. Je fais en sorte que ça suive comme ça, de chaque côté. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis, ouais. Ouais, ça va normalement bien le faire. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est remonter sur le côté, sur le milieu même.
Et puis en vrai, ça serait même plutôt d'utiliser des escaliers. Alors, c'est un bloc que j'utilise vraiment de moins en moins, l'escalier. C'est un truc, mon gars, tu vois. Avant, on s'en servait comme tout le temps. Enfin, personnellement, je m'en servais tout le temps. Mais là, sur ce Let's Build, franchement, il a disappear. Il est parti, il est mort, il est décédé. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il est plus là. Il est plus là, et c'est pas forcément un problème. Mais bon, certains diront, ouais, P2, franchement. Mais t'as pas honte de mettre comme ça les parias de la société? Tu crois que les escaliers, ils ont demandé ça? Tu crois qu'ils sont contents que tu les aies mis à l'écart? Que tu les aies mis au rebut? Que tu les envoies balader à chaque fois que tu les vois? Non! Ils sont tristes! Tristes! Ils sont tristes, ils pleurent, c'est ça! C'est ça que tu veux, P2? Rendre les escaliers tristes? Toute une communauté qui te suivait, te soutenait, le plus fervent des admirateurs, c'était un escalier. Mais toi, tu fais quoi, P2? Tu les as mis au rebut, P2! Qu'est-ce que t'as à répondre pour ta défense? Qu'est-ce que t'as à répondre? Rien, rien, P2, t'es un connard! Voilà! Voilà! Au nom de tous les escaliers! Au nom de tous les escaliers! Tu es un connard! Voilà, je te le dis, je le pense! Et je te le dis haut et fort, parce que liberté de penser! Et oui! Et vous ne prendrez pas ma liberté de penser! Bref! Ça, franchement, je pense qu'on va peut-être le garder. Peut-être le garder, peut-être pas le garder. Pour l'instant, tu vois, je t'ai dit, j'expérimente. Dans mes vidéos, j'expérimente. Je dis de la merde et j'expérimente. C'est le concept des vidéos. C'est un concept étrange. Hein, je suis d'accord avec toi. Un concept qui mérite une attention toute particulière. Parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde de dire n'importe quoi et d'être cohérent, tu vois. Parce que mine de crayon de papier en bois. Je te dis des choses qui n'ont parfois aucun sens, mais la plupart du temps, quand bien même tu penses qu'il n'y a aucun sens, il y a tout de même un message caché. Et oui, je suis un fervent admirateur des messages cachés. Tu ne le sais peut-être pas là, mais je suis en train, en vrai, de travailler pour les Illuminati, et je suis en train de travailler à leur compte, à faire en sorte que vos jolies petites têtes blondes, rousses et brunes, oui j'ai mis les bruns en dernier parce que je suis un bâtard, imprègnent des choses dont vous n'avez même pas encore conscience. Et oui, et un jour, le déclic adviendra dans vos petites têtes blondes, brunes et rousses. Voilà, j'ai rétabli la petite. J'ai rétabli la vérité. Pour que d'un coup tu fasses. Mais P2 avait raison! Mais oui, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Tu vas appeler la police? Non? Non, non, non. Non, non, non. Et à ce moment-là, ce sera trop tard. Il sera trop tard. Le monde sera déjà gouverné par des Chinois en toc. Hein, tu captes le jeu de mots. Chine, Chinois, Chintok, voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est comme les blagues. Les blagues sur les Asiatiques, tout le monde peut les faire. Parce que les Asiatiques sont tolérants, tu vois. C'est des gens d'une grande tolérance, d'une grande sagesse. Hein, ils viennent pas s'exposer chez toi parce que tu as fait une blague ou fait des dessins satiriques. Non, non, monsieur, nous on fait pas ça. On va te jeter du riz dans la gueule. Hein, c'est la plus grave des trahisons, ça. Mais sinon, on va pas te faire ça. Hein, on est tolérant. On est tolérant. Du coup, tu vois, je sais pas plus ce que je voulais dire, mais du coup, voilà. Tolérant. Donc ouais, les blagues racistes entre guillemets. Bah non, même pas entre guillemets, des blagues racistes, hein, comme je viens de faire. Sur les Chines, donc, eh bien, tu peux les tolérer si tu fais partie de la race. C'est un peu trash de dire ça comme ça. Si tu fais partie de l'ethnie qui le dit. C'est-à-dire que un noir a le droit de se moquer des noirs. Mais un blanc n'a pas le droit de se moquer des noirs. Sinon, c'est un putain de raciste. Tu vois ce que je veux dire? Mais un noir peut aussi se moquer des blancs. Mais un blanc ne peut pas aller parce qu'un noir se moquer des blancs. Parce que sinon, c'est un putain de raciste ce blanc qui a râlé parce que le noir s'est moqué des blancs. Eh oui! Parfaitement logique. Bon, bref, ça c'est la vérité sur notre société. C'est magique, hein. C'est magique. Magique. Je pense que ça va bien le faire en vrai, cette petite tour. Enfin, petite tour. C'est pas une tour. C'est construit comme une tour. Je l'accorde. Je te l'accorde. Arrête, arrête. Non. Efface ton commentaire de violence. Non, non. Tu n'as pas le droit. On est là dans la paix. Moi, je suis Bouddha. J'ai plusieurs bras déjà.
Ouais, parce que ça permet de me gratter le cul en même temps que je me mouche. Et ensuite, ça, je sais plus ce que je vais dire, mais voilà, je suis Bouddha. Donc, en tant que bouddhiste, non on accompli et non révélé, voilà, je te dis, frère, 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 singe et homme, sont les mêmes animaux. Ok, bah Bouddha, il a sacrément pris un pet au casque, mais ok. Non, en vrai, on a quand même. Vous êtes quand même, en vrai, hein, parce que c'est plutôt vous, vous êtes quand même une communauté, pardon, j'arrive pas à parler, de tarés. Franchement, j'ai pas à vous plaindre. Jamais je m'en plaindrai d'ailleurs. Et ça, mon gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai laissé un petit trou, c'est pas pour que tu y mettes quelque chose d'autre à quel tu penses, cette espèce de pervers, ou perverse, parce qu'il y en a pour tout le monde. Non, c'est pour mettre le petit bois dans le trou. Voilà! Et ensuite on fait le. 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 On fait le moulin. Enfin le truc qui tourne, je sais pas, la voile. Donc voilà, c'est magnifique. Pas de me dire, à l'instant, il faut que je fasse mon petit copier-coller, mon petit flip, tout ça. Mais en vrai, on est d'accord, toi et moi, que je n'ai pas mis assez de détails. Les détails qui rappellent l'essence même de la construction. L'essence même des autres constructions. Du coup, je vais tenter, in extremis, de rajouter ce détail-là. Ça, on va plutôt le mettre à la base. Donc, ce détail-là, en mode un peu. En mode. Comment on appelle ça? En mode Volt. Vous vous rappelez de ce film, Volt? Vous savez, le petit chien, là. Le petit chien super-héros, il me semble. Ou qui se prend pour un super-héros. Je ne sais plus de quoi l'histoire parle, mais c'est ça, Volt. Eh ben, ce film. Je l'ai pas revu, voilà, c'est tout. Non, en mode éclair. Alors je vais le mettre plus haut, parce que sinon c'est trop bas, tout simplement. Et quand c'est trop bas, ben ça me fait chier. Voilà. Tu vois, on va. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie de mettre de filtre à mes commentaires. Hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de te dire que toi tu me casses les couilles, j'ai envie de te dire que toi tu me casses les couilles. Si j'ai envie de dire fais de pute, je dis fais de pute. Voilà. Voilà. Liberté d'expression. Et force de grandeur dès qu'elle s'en sert. Non, cette première ne veut rien dire, hein, si tu commences à chercher. Mais ce qu'on aurait pu faire aussi, ça aurait été un truc vraiment kiffant à faire, ça aurait été une sorte de challenge. Genre, dans tes dissertations, tu dois glisser une citation, une de mes citations. Genre, je te fais une vidéo spéciale citation. Voilà. Une vidéo spéciale citation de P2, toute fraîche sortie sortie des fagots, tu vois. Et toi, derrière, tu dois te débrouiller pour les mettre dans une copie de philo. P2 a dit que, selon un grand youtubeur minecraftien, P2, il disait que, comme si j'étais mort, tu vois, disait que la vie, mais qu'est-ce que c'est? Quelle grande avancée! Tu vois, genre de choses, des trucs débiles. Mais pourquoi se prendre au sérieux? Franchement. Tu sais qu'en philo, si tu travailles en philo, enfin, c'est pas si tu travailles, je veux dire, si tu cites en philo un film, genre, je sais pas moi, Inception sur les rêves, tu vois, t'as un sujet, c'est la réalité, les rêves. Tu cites Inception, tu cites Matrix, ça passe crème. Mais après, ça dépend si ton prof de philo, c'est un bâtard ou pas. Mais moi, le mien, c'était un bon mec. C'était un prof de philo qualitatif, hein. C'était un prof de philo qualitatif qui avait au grand max 35 ans. Et du coup, tu pouvais lui mettre tout ce que tu voulais. Et ça, c'était cool. Ça, c'était une grande avancée dans le monde du build. Ici, je vais mettre ça pour finir. Et ça. Comme en mode. En mode. Damn, c'est fini! Et un petit flip. J'ai envie de te dire skadouche. Skadouche. Voilà, donc du coup, là maintenant on a la tour qui est terminée, enfin la base principale du moulin qui est terminée. On va travailler sur ce qui fait l'essence même du moulin, bien sûr. C'est la. Alors il faudrait vraiment que j'aille voir ce que c'est en termes professionnels, en termes de build, de les voiles, la voilure d'un moulin. Mais on va faire. On va faire l'axe sur laquelle il y a les hélices. C'est les hélices, je crois. Les hélices du moulin? Ouais, on va dire ça, c'est les hélices du moulin. Donc, je sais plus, je fais combien, je vais faire 7. Alors, je vais faire la même que d'habitude, je pense, parce que j'aime bien. C'est un truc.
C'est un truc classique, c'est un truc que j'aime bien, du coup je le fais. Je le fais comme d'habitude. On va en faire qu'une, là je ferai en copier-coller, comme ça vous donne une vision rapide, rapide et efficace de ce que je fais, enfin de la voilure en elle-même. Ça c'est plus simple pour vous. Et c'est plus simple pour moi, ça permet non seulement de diminuer le temps de vidéo, parce que voilà, on va pas faire 4 voiles, hein, on va pas s'emmerder à faire 4 voiles, t'es d'accord avec moi? On en fait qu'une. On en fait qu'une, du coup. Et puis on fera un petit tour des avancées du casseur et de tout le reste à la fin de la vidéo, si ça vous fait kiffer. De toute façon, au pire, vous pouvez quitter, hein. C'est ça qui est magnifique. Alors, j'aime pas utiliser le blanc, je trouve que le blanc est trop blanc. Et je préfère avoir un gris ou un truc comme ça, je sais pas, je trouve la texture plus intéressante du gris. J'utilise de la laine aussi parce que c'est par rapport à la texture de la laine. Et oui, je suis en pack de base, bien sûr. Je suis en pack de base, je pourrais changer, hein. Je pourrais changer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'utilise un pack de texture à la place du pack de base. Mais je vous explique pourquoi j'utilise le pack de base. C'est pour être sûr que la construction rentre bien avec n'importe quel pack de texture. C'est-à-dire, c'est ça l'avantage de construire avec le pack de texture de base, c'est que vous êtes sûr que votre construction, elle va bien rendre avec n'importe quel pack de texture. Parce que vous l'avez faite, vous l'avez construite avec le pack de base. Du coup, c'est l'intérêt même. Certains n'aiment pas, j'aimais pas non plus avant, je construisais tout le temps avec un pack de texture, mais au final, je m'y suis fait et puis tu prends le coup de main. Surtout qu'après un pack de texture aussi, à cause de mon ordinateur, ça me fait laguer. Par exemple, véridique, je ne peux pas je peux pas charger un pack de texture avec les shaders sur cette. Oh, on peut le faire plus arrondi comme ça, j'aime bien. Je peux pas charger un pack de texture avec les shaders, par exemple, sur cet ordinateur. Sinon, je lag comme un porc! Eh oui, tu vois le porc avec une queue en tire-bouchon? Eh ben, c'est pareil, le même, mais en plus crade. En plus crade encore. C'est absolument chiant, en fait. Mais bon, ça changera dès que j'aurai un nouvel ordinateur, dès que je pourrai m'en acheter un. Et déjà, ça fera des vidéos de meilleure qualité. Je pourrais reprendre ma chaîne de gaming et je pourrais aller faire n'importe quelle vidéo que je veux. Donc ça sera un plus formidable pour moi. Parce que j'adore ça. Ouais, du coup, regarde, hop, je pense que je vais faire la liaison comme ça. Pas bien, hein? Non? Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas encore. Là, je vais le laisser comme ça. Parce que de toute façon, je vais faire un arrondi, puis je vais faire un copier-coller de tout ça, et ça va bien le faire, je pense. Eh, hey, mais attends, je suis en train de me dire qu'un truc. Bon, la voilure, elle rend bien. L'hélice rend bien. Mais je suis en train de me dire un truc. Il manque le toit. Il manque le toit, Murray! Du coup, pour le toit, on va faire un petit truc simple, hein. C'est-à-dire que je vais remonter quelques crans comme ça, là, hop. Et ensuite, pour le toit, on va utiliser le bois qu'il faut, c'est-à-dire c'est celui-là. Et on va monter de 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Alors là, on va se décaler d'un cran, je pense. 1, 1, 1. Donc, ouais, je le fais pas vraiment circulaire. Je pourrais le faire circulaire. Bon, allez, on va le faire circulaire. Hop là, 2. Voilà, je vais travailler sur une moitié de toit comme ça. Et je vais faire là, ici. Et je vais monter de 1, 2, 1, allez, de 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Et vraiment, je suis au milieu là. Ouais. Et du coup, je vais refaire la même chose sur le côté ici. Et ça, donc je te montre vite fait comment je fais mes toits. Hein. C'est-à-dire que je les fais comme ça et ensuite j'ajuste en fonction de ce qui manque. Tu vois, en général j'ajuste en fonction de ce qui manque pour bien le faire. Et puis ça le fait bien normalement. C'est-à-dire que je fais comme ça et j'aime bien qu'il y ait une liaison qui soit droit. Du coup je fais droit en général. Là ce qu'on peut faire c'est mettre des blocs. Enfin bref, c'est comme ça que je procède pour faire mes toits. Alors bien sûr je fais attention dès que j'arrive au milieu j'arrête. Parce qu'après il y a l'autre partie et puis j'ai pas forcément envie d'empiéter sur l'autre partie parce que du coup quand il y a l'autre partie ça fait ça, enfin tu vois, ça fait que tes liaisons elles se font assez simplement.
tu vois. Elles se font assez simplement et puis ça rend bien. Bon, moi je vous propose, je termine ce toit et puis on se retrouve pour une petite, petite visite. Et boum! Avec les shaders et le toit, ça rend bien! Ça rend bien. Alors, j'ai un chouïa changé la maison. J'ai mis des un autre pack, une autre clé pour le haut. Une clé grise, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de différentes. Et je trouve que ça rend bien. Je trouve que ça rend fucking bien. Bon, et bien sûr, il y aura une maison derrière, genre de choses. Ça sera pas juste comme ça. Peut-être le. Non, non, ça rend bien. Ce que j'étais en train de me dire, en fait, sur certains angles, en fait, la voilure. Ah putain, l'hélice. Est trop petite, mais en fait ça dépend de l'angle dans lequel tu regardes. En vrai ça rend bien, ça rend bien, ça rend super bien. Bon alors du coup l'avancée du projet, vous voyez j'ai fait un petit port, hein, un petit port ici, le port 5.5 Murray qui envoie du pâté bien sûr. Donc j'ai fait un petit port qui est en cours de construction, j'ai mis le bateau dessus et tout. J'ai commencé à faire toute la partie de la digue, bien sûr. Avec ce genre de zone, alors ça c'est une technique que Boitavé m'a appris, je m'en sers toujours parce que j'aime bien. Donc avec des zones d'accès, voilà le port mon gars, avec des zones d'accès, tu vois des trucs tranquilles. Là-bas il y a le château qui est en train de continuer, il y a une poivrière, pas une poivrière pardon, il y a la tour spéciale que je vous ai dit que je ferais, qui a été faite, voilà la tour comme ça, où j'ai fait en fait un toit par-dessus la tour. J'adore ça, je trouve ça trop kiffant, avec un petit pont. Un petit pont Murray qui permet d'aller un point A, un point B. Et puis là, il y a le château. Bref. Alors en jaune, c'est ce qu'on va faire ensemble. Oui, j'ai continué le pattern. Hein. Hein, vous le verrez plus dans la prochaine vidéo. Je continue le pattern. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il y a ici en jaune, ce sera ce qu'on fera ensemble. Ici, j'ai continué aussi un peu. Enfin bref, il y a eu une petite avancée. Ah, j'ai fait ça. J'ai fait cette petite zone. C'est-à-dire que tu te balades comme ça en train de marcher chez toi, bim bim bim, hop, c'est vachement atmosphérique là d'ailleurs. Hein. Tu marches comme ça, tu viens ici, t'as envie de te reposer, je sais pas, t'es fatigué, bim, t'arrives dans le petit jardin tranquille. Toi-même, tu sais, il y a de l'air partout, tu peux la prendre, la fumer, faire ce que tu veux, il y a même des fleurs que tu peux sniffer, te mettre dans les fesses si tu veux. Et c'est génial! C'est génial. Ah oui, cette tour, je suis en train de me dire que je me suis pas attardé plus que ça sur cette tour, mais regarde, franchement. Quand tu regardes ici, ça rend bien. Ça rend bien. Bon, après le château, je vous montre pas tout ce qu'il y a en construction sur le château. Enfin, je veux dire, je fais pas tout en let's build parce que j'ai beaucoup de casse-tête avec ce château. Les casse-têtes qui sont en fait comment je fais mes liaisons, qu'est-ce que je mets là, qu'est-ce que je mets à d'autres endroits. Enfin, c'est des casse-têtes un peu chiants. C'est plus emmerdant qu'autre chose. Donc, je le fais pas en vidéo et du coup, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein? Beau projet en cours, bien sûr. Il y aura toute une ville ici. Je travaillerai sur une rive. La prochaine épisode, je sais pas ce qu'on fait pour le prochain épisode des maisons. Soit on continue avec une maison à thème. En ce moment-là, dites-le moi dans les commentaires. Soit on continue. J'ai envie de faire un pont. Alors, je sais pas trop le pont comment je vais le faire. Parce qu'il faut que je me dise qu'il y a des bateaux qui devraient pouvoir y passer par cette rivière. Et du coup, je pensais le mettre par là, le pont. Mais à ce moment-là, il faut faire un pont un peu comme vous savez, le pont. Le pont sur. Merde! En Angleterre, à Londres. Il y a un pont qui surélève carrément. Toute la partie qui surélève, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et ben, je pense qu'il faudrait faire un pont dans ce genre-là. Parce qu'un pont normal, j'ai envie de te dire, comment les bateaux ils passent? Et ben, j'ai envie de te dire, ils volent. Ben, bien sûr, ils font comme ça, bunny up. Bunny up par-dessus le pont, ils prennent un peu d'élan et bunny up. Voilà. Ou Holly, c'était un skater, c'est toi qui vois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus, à bientôt! Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo! Allez! À ciao! On réunit avec le haut, tu vois ce que je veux dire? Allez, salut!